Salut, c'est Maxime. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo sur le bridge. Donc, si tu souhaites te faire percer ou bien si tu viens de te faire réaliser ce piercing, cette vidéo est faite pour toi. Le bridge est un surface. Il mettra entre 8 et 12 mois à correctement cicatriser, durée pendant laquelle il fera des sécrétions lymphatiques, des petites croûtes blanches que tu auras par moments, plus ou moins de façon intensive. Ne les gratte pas, elles partiront à la douche et lors des soins. Ce piercing est très peu douloureux car on ne perce que de la peau. Mais par contre, il a un risque de rejet qui est relativement important. Il faut donc être attentif dans les mois qui suivent le perçage, éviter les accrochages, faites attention quand vous retirez les vêtements trop vite. Tout ce qui peut frotter est à éviter. Si jamais vous avez un doute sur votre cicatrisation, n'oubliez jamais que vous pouvez consulter votre perceur. Nous sommes là pour ça. Si vous voulez en apprendre plus sur le risque de rejet, vous pouvez consulter ma vidéo à ce sujet qui est sur la chaîne YouTube de la boutique ou sur TikTok. Ensuite, en termes de cicatrisation, il faut penser qu'il y aura un mois sans baignade, qu'il ne faudra pas laisser les animaux dormir dans la chambre, changer drap et serviette de bain régulièrement et bien évidemment éviter d'y toucher avec les mains sales. Si vous êtes utilisateur de maquillage ou de crème et produits de beauté diverses, attention, il ne faut pas en mettre sur la zone. Soyez toujours attentif à ça, car si ça rentre à l'intérieur, ça peut être une source d'infection. Il serait aussi idéal de penser à changer votre bijou. Dans les mois qui suivent la réalisation, je conseille entre 1 et 4 mois en fonction de votre morphologie. Dès que le bijou vous semblera trop grand, n'hésitez pas à retourner voir votre perceur afin qu'il vous mette un bijou de longueur adaptée. C'est un piercing qui est très original, donc si vous êtes à la recherche de quelque chose qu'on ne voit pas partout, c'est vraiment le piercing idéal. En plus, si vous avez des lunettes, ne les collez pas à votre visage bien sûr pour qu'il n'y ait pas d'accrochage, mais ça vous permet d'avoir un piercing qui reste relativement discret, ce qui permet parfois, en fonction des métiers, d'être plutôt fonctionnel. Soyez attentif lors du placement. Comme nous ne sommes pas symétriques, c'est un placement relativement long, n'hésitez pas à demander des ajustements à votre perceur si nécessaire. Il n'y a pas de honte, l'important c'est que vous soyez satisfait. Pour les soins, c'est un piercing qui est plutôt facile. Il vous suffit de vous laver avec un savon pH neutre, de bien rincer la zone, puis d'appliquer une solution saline comme du sérum fille, du stérimar ou un kit Nelmed. Séchez toujours avec beaucoup de délicatesse avec des compresses non tissées. Pas de coton, pas de coton-tige et rappelez-vous, on n'arrache pas les croûtes, elles partiront naturellement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout que vous prendrez grand soin de ce nouveau piercing et qu'il vous plaira. Prenez soin de vous et bonne journée. Au revoir.